Les 25 meilleurs athlètes de Guyane sont en stage à Cayenne cette semaine. Ils sont venus de Saint-Laurent, Kourou, Rémire-Montjoly, Matoury et Cayenne pour progresser et s'encourager. Une façon de garder la motivation alors que leur compétition est prévue aux Antilles a été annulée en raison de la crise sanitaire. Objectif, les championnats de France et le Carifta prévu en août prochain. Ce matin, pas d'entraînement au stade. Nos jeunes athlètes ont eu droit à un programme corsé sur la colline de Montabeau. On écoute leur entraîneur Katia Bint au micro de Sofiane Blé. La colline de Montabeau, c'est quelque chose de mythique. Hein. Tous les athlètes guyanais ont pu s'entraîner ici. Vraiment, vraiment, c'est une très belle piste. En plus, on a un peu d'ombrage donc, avec les arbres qui sont autour. Donc les athlètes ont vraiment un outil, on va dire, une structure naturelle qui leur permet de progresser au niveau de leur endurance, de leur force, de la vitesse. Nous n'avons pas la possibilité de faire des compétitions sur l'extérieur. Donc une motivation, une confrontation entre eux déjà, c'est déjà très bien. Et puis le président de la Ligue, Jean-Victor Castor, a voulu vraiment leur permettre de se préparer au mieux pour les GC en s'avenir, les championnats de France, les Carifta Games au mois d'août puisqu'ils ont été repoussés. Mais nous savons que nos athlètes sont motivés, qu'ils sont prêts à aller vraiment se confronter aux autres. Et donc on les prépare dans cette optique.